Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une nouvelle Magic Rubrique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un construit que j'avais fait à l'époque où je jouais à Magic, donc ça remonte. il s'agit d'un construit fait sur la base du bloc Mirrodin, uniquement le bloc Mirrodin, mais réunissant les trois opus du bloc, à savoir Mirrodin, son brassier et cinquième aube. L'idée est venue d'un pari avec un ami qui pensait, lui, qu'à l'époque le noir était pas puissant et que les créatures noires étaient, étaient assez limitées. Donc du coup j'ai pris le pari et je m'étais mis en tête de faire un deck noir artefact, puisque le sujet de Mirrodin était surtout les artefacts, mais là en l'occurrence celui-ci est artefact et noir, avec des créatures, certainement les créatures les plus puissantes du bloc de l'époque. C'est un deck que j'ai nommé Dépouilleur. Alors pourquoi Dépouilleur? Tout simplement parce que dans ce deck, la finalité c'est le démon Dépouilleur. C'est une carte que j'affectionne énormément, avec un dessin magnifique d'ailleurs. Mais il n'y a pas que lui qui peut faire très mal dans ce deck, il faut le savoir. Mais il résume plutôt bien ce que fait ce deck à l'adversaire. Alors, il faut savoir que c'est pas un deck de fou dans le jeu. C'est pas non plus un deck attentiste. Attention, c'est un deck qui peut faire très mal à celui qui joue aussi. Voilà. C'est un deck qui demande beaucoup de mana. Donc normalement, il y a ce qu'il faut là-dedans pour avoir le mana nécessaire. Mais quand il sort bien ce deck là, j'avoue qu'il fait plutôt mal. Alors ici vous voyez, je l'ai divisé en quatre parties pour vous présenter les différentes différentes composantes du deck. On a ici donc tout ce qui est terrain, ici tout ce qui est créature, ici on a tout ce qui est sort et ici tout ce qui est artefact. Voilà. L'idée ici c'est de vous montrer les cartes en direct entre guillemets. Parce que j'aurais très bien pu vous faire une séquence juste avec ma voix en illustrant avec les trucs et tout. Mais voilà, vous montrer les cartes que j'ai dans ce deck, c'est aussi intéressant. Donc ici, tout d'abord, on a des terrains. On a 21 terrains au 22 terrains au total, je crois. Je vais les recompter. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 terrains au total, dont 18 marais. Aucun terrain artefact, 18 marais ici, et 4 guets des nuages. C'est quoi le guet des nuages? Sortir la carte du sleeve. Alors, le guet des nuages, déjà, une illustration avec le gros œil collé sur le nuage, c'est pas mal. C'est un site, vous voyez. Le guet des nuages arrive en jeu engagé, donc comme tous les terrains qui font mal. Par contre, quand on engage un guet des nuages, on ajoute un incolore à notre réserve de mana pour chaque site en jeu. C'est-à-dire que si vous avez 4, si vous avez 2 guets des nuages en jeu et que vous en engagez un, et ben ça va vous procurer 2 incolores parce que vous avez 2 sites en jeu, etc. pour 3 et 4. Donc gros apport de mana incolore, sachant que comme c'est un noir artefact, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Donc 22 terrains au total. Ensuite, on a des artefacts. Alors, on a ici d'abord 4 babioles du voyageur. Alors, la babiole du voyageur, c'est un apport de mana, clairement. Donc, vous voyez, pour un incolore, on la joue. Et puis, arrivé sur le terrain, donc pour 2. En général, au tour suivant, on l'engage, puis on la sacrifie, et on cherche dans la bibliothèque une carte de terrain de base, et on la met en jeu engagé. Voilà, on mélange ensuite la bibliothèque. Donc, apport de mana supplémentaire avec cette babiole, qui était très jouée à l'époque. Vous imaginez pourquoi. Donc, 4 babioles. Ensuite, on a 2 lentilles extraplanaires. À l'époque du bloc Mirrodin, il y avait une capacité qui s'appelait empreinte. Vous voyez, donc là, vous voyez la lentille extraplanaire pour 3. C'est une rare, bien entendu, artefact empreinte. Quand la lentille extraplanaire
arrive en jeu, vous pouvez retirer de la partie la carte de terrain ciblée que vous contrôlez. Cet artefact a l'empreinte de la carte retirée. En gros, ça veut dire que vous avez vos terrains ici, vous retirez un terrain que vous attachez à cet artefact, vous posez votre artefact, et ensuite la capacité suivante fera que, à chaque fois qu'un terrain du même nom que la carte dont la lentille extraplanaire à l'empreinte est engagé pour du mana, son contrôleur ajoute à sa réserve un mana de n'importe quel type produit par ce terrain. En gros, une fois que vous avez fait cette manip, vous avez mis un mara ici, en l'occurrence c'est ce qui se passe avec ce deck, vous engagez un marais, et ben au lieu de faire de produire un seul mana noir, ce marais va produire deux mana noirs. Voilà. Donc trop bien. Très joué aussi à l'époque, la lentille extraplanaire, et il me semble qu'elle coûte encore un bras. Hein. Voilà. Donc j'en ai deux, du coup, dans le deck, ce qui est suffisant. Ensuite, il y a la cape de Frémissois. La cape de Frémissois, c'est un artefact qui donne le linceul. Alors on la pose pour 3, ce qui est un petit peu cher. Par contre, hein, on l'équipe uniquement pour 2. C'est un équipement, un artefact équipement. Et la créature équipée est imbloquable et ne peut pas être la cible de sort ou de capacité. D'accord ? Voilà. Donc, juste trop bien la cape de Frémissois. Je vais enlever le sleeve. Et c'est une carte, en fait, qui fait partie de la tactique du jeu. Vous allez comprendre pourquoi quand on verra les créatures. Voilà. Avec un beau dessin, ici. Magnifique. Donc, j'en ai mis 3 dans le deck. Pour être sûr de l'avoir en main quand j'en ai besoin, en fait. Voilà. Et pour finir, 2 artefacts similaires qui sont la prison cérébrale. Hein. Alors la prison cérébrale, c'est pareil, ça a l'empreinte aussi. Hein. Ça joue l'empreinte, c'est sur Mirodin, c'est Nunko. Par contre, on la joue pour 5. Mais, empreinte. Quand la prison cérébrale arrive en jeu, vous pouvez faire que le joueur ciblé révèle sa main. Si vous le faites, choisissez-y une carte autre qu'une carte de terrain et retirez cette carte de la partie. Cet artefact a l'empreinte de la carte retirée. A chaque fois qu'un joueur joue un sort qui partage une couleur ou un coût converti de mana avec la carte dont la prison cérébrale a l'empreinte, la prison cérébrale inflige 2 blessures à ce joueur. Imaginez un petit peu, il est un peu cher à jouer, mais imaginez la puissance de cet artefact. Hein. On a vite fait de descendre le compteur vie de l'adversaire, à savoir que avec l'apport de mana qu'il y a dans ce deck, normalement, ça se pose facilement. Hein. Et en plus de ça, vous pouvez voir le jeu de votre adversaire sur le coup, vous pouvez sérieusement l'handicaper en plus de lui retirer pas mal de points de vie. Donc ça, c'est pour les artefacts. Ensuite, on a les cartes de sort. On a donc 2 butins du caveau, ici. C'est un éphémère. C'est une rare pour 1, hein, pour un mana noir. J'aime énormément les illustrations de cette époque-là. Butin du caveau, ça fait quoi? Nommez une carte. Révélez une à une des cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez la carte nommée. Mettez alors cette carte dans votre main. Retirez du jeu toutes les autres cartes révélées de cette manière et perdez un point de vie pour chacune des cartes retirées. Alors, vous allez me dire, ouais, mais alors là, c'est du suicide. Sauf que, outre le fait que cette carte puisse vous aider à trouver, à un moment donné, la carte qu'il vous faut pour votre combo, elle peut déjà vous aider à trouver un terrain, hein, si vous êtes en galère. Vous voyez? Voilà, donc il y en a 2. Et ensuite, il y a 4 terreurs. C'était une de mes cartes préférées à l'époque. Donc, la terreur, hein, vous voyez? Pour un mana noir et un incolore, c'est un éphémère. Détruisez la créature non artefact, non noir ciblée, elle ne peut pas être régénérée. Donc, sous condition, mais ça coûte que 2. Hein. Donc j'en ai mis 4, forcément. Et bien entendu, si je joue ce deck-là contre du noir artefact, et ben, il vaut mieux que j'utilise ma réserve. Hein, ce que je vous montrerai ensuite. Voilà pour les sorts. On va peut-être mettre ça à sa place. Et maintenant, les créatures. Afin de vous expliquer quand même ce à quoi tient ce deck. Tout d'abord, on a le golem de Méphidros, qui n'a pas une illustration fantastique. Il y en a 4. Hein. Vous voyez,
Il coûte 5 incolores. Sauf que ce golem-là, il a l'affinité pour les marais. Vous voyez? Donc il coûte un de moins à jouer pour chaque marais que l'on contrôle. Et il a la peur. Hein. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être bloqué à part par des créatures noires ou artefacts. Hein. Voilà. Donc c'est pas une créature de folie, mais c'est quand même une 3-2. Hein, ce qui est plutôt pas mal. 3-2 avec la peur. Ensuite, on a 4 émissaires du désespoir. Alors, l'émissaire du désespoir pour 2 marais et 1 incolore. C'est une 2-1 vol. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd un point de vie pour chaque artefact qu'il contrôle. Donc très couru à l'époque, hein, vous imaginez, puisque sous le bloc Mirandin, on jouait énormément d'artefacts. On peut quand même remarquer la petite illustration fort sympatoche. Hein. Donc c'est pas une carte de fou, hein. Mais bien pratique à l'époque. Ensuite on a 4 diablotins caquetants. Pas une carte de folie non plus, mais malgré tout. Pour 2 marais et 2 incolores. Illustration du diablotin caquetant, c'est plutôt mignon. Hein. C'est une 2-2. Alors une 2-2 pour 4, c'est un peu cher, mais avec ce deck-là, on peut se permettre. D'autant plus qu'elle a le vol, et que quand on l'engage, le joueur ciblé perd un point de vie. Donc toujours pratique, ça. Hein, ce genre de carte. Une commune plutôt pas mal. Et ensuite, on arrive sur les grosses cartes. Ensuite, on a 3 vampires de Méphidros. Donc c'est la créature noire majeure hein, du bloc 5e aube en noir. Vampire de Méphidros, donc pour 2 marais et 4 incolores, donc facilement jouable avec les artefacts. Créature vampire, c'est une 3-4 avec le vol. Et chaque créature que on contrôle est un vampire en plus de ces autres types de créatures. Donc imaginez que toutes les créatures que je vous ai présentées avant qui n'étaient pas de fous. Et ben, ont cette capacité supplémentaire. Donc en plus de ces autres types de créatures, et elle a, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature à chaque fois qu'elle inflige des blessures à une créature. Donc ça, un excellent vampire, hein, qui donne la capacité vampire à toutes les autres créatures. Juste trop bien. Et ensuite, on arrive sur du très très lourd. On a ici 4 grands moissonneurs, qui est juste une carte de folie en fait, et qui justifie la présence hein, de la cape de Frémissois. Le principe du grand moissonneur est celui-ci. Alors déjà, vous voyez, c'est une... alors, c'est pour 3 marais et 2 incolores. Vous voyez, c'est cette illustration de folie, là. C'est une horreur. C'est une 5-6, s'il vous plaît. Hein. Au début de votre entretien, sacrifiez un permanent. C'est pourquoi on a des créatures moyennes. Hein. Mais on a aussi des artefacts, par exemple. À chaque fois que le grand moissonneur inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie 2 permanents. C'est-à-dire qu'en plus de prendre 5, il doit sacrifier 2 cartes devant lui. Donc c'est juste énorme hein, comme créature, et si vous l'équipez de la cape de Frémissois, bonjour les dégâts, hein, vraiment. Et pour finir, la créature donc qui a donné son nom au deck, 2 démons dépouilleurs, je suis absolument fan de cette carte, je vais vous montrer la version foil, puisque je l'ai en foil, juste magnifique. Voilà, le démon dépouilleur. Il est terrible ce démon, juste trop beau. Alors, il coûte cher à jouer, hein. Soyons clairs, 4 marais et 4 incolores, le démon dépouilleur. Il a le vol, et c'est une 6-6, hein. Ça rigole pas. Quand il arrive en jeu, et si on l'a joué depuis la main, donc ça c'est important comme condition, on détruit toutes les créatures non artefacts et non noires, et elles ne peuvent pas être régénérées. Une terreur à l'échelle du jeu, quoi. Vous voyez ? Donc en gros, quand il arrive, bah,
Si vous jouez contre une noire artefact, et ben, il n'y a pas beaucoup d'effets, hormis le fait que c'est quand même une 6-6 vol. Hein. Mais par contre, si vous la jouez contre une autre couleur que du noir artefact, et ben là, ça fait super mal, quoi. Hein. Et puis, il est juste trop beau, quoi. Donc c'est cette carte-là qui m'a inspiré pour ce deck. Je suis absolument fan de ce démon. Voilà. Donc, je vous ai présenté le contenu du deck. Hein. Il y aura un récap là, à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, hein, dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez. Voilà. Ça peut toujours être utile d'avoir des petits tuyaux, ou des petites indications, ce genre de choses. Voilà. Des petites anecdotes, j'aime bien aussi les anecdotes. Je vais juste vous montrer ce que j'ai mis dans la réserve au cas où. Parce que voilà, la réserve de 15, c'était une habitude aussi. La brute de son brassier, hein, au cas où on a, comment dire, on a affaire à des sorts qui détruisent systématiquement les créatures, ou des sorts directs par exemple. Ici on a un artefact, la brute de son brassier, qui peut se transformer en créature, parce qu'à la base c'est un artefact. Vous voyez, vous payez 3 et ça devient une créature artefact de 2 jusqu'à la fin du tour, et elle est indestructible. Hein. Voilà, on la pose pour 2 au départ. Donc voilà, j'en ai mis 4 au cas où. Ensuite j'ai mis 1, 2, 3, 4 greffeurs de chair. Le greffeur de chair il fait quoi? Donc c'est une 2-2. Quand on se défausse d'une carte d'artefact de la main, c'est-à-dire au cas où vous avez affaire à un pet artefact en face et vous ne pouvez pas les utiliser, bah, au lieu de ça, vous posez cette créature et vous les défaussez de votre main pour que cette créature gagne hein, +2/+2. Ça peut toujours être utile. Enfin, c'est pourquoi il y en a 4. C'est pas une créature de folie, mais dans la pratique sur le terrain, c'est bien pratique d'avoir ce type de créature. Ensuite, il y a 2 hurlements du dedans. Voilà. C'est donc on enchante une créature. La créature enchantée gagne -1/-1. Et quand la créature enchantée est mise dans un cimetière, on remet les hurlements du dedans en jeu depuis le cimetière. C'est juste trop bien en fait, hein. ça donne des réactions en chaîne de folie. Et ça c'est anti-jeton ou anti-petite créature, c'est-à-dire anti-blanc, soldat ou anti-gobelin, genre de choses. C'est juste infernal en fait, c'est un truc de fou ce sort. Donc voilà, j'en ai mis 2 au cas où. Il y a aussi le coup d'éther hein, pour supprimer tout ce qui est jeton marqueur, vous voyez, c'est juste fabuleux ça, et ça coûte que 5. Hein, et on retire tous les marqueurs et tous les permanents, de tous les permanents et tous les jetons de la partie. Hein, ça fait juste trop mal. Donc ça, trop bien comme carte. Parce qu'effectivement, ce deck-là est un deck à gros mana, grosse créature, gros sort. Donc. Quand on a affaire à des petits malins qui jouent les marqueurs, qui jouent les jetons, ben ça c'est juste indispensable. Et pour finir, le nuage mortel. Alors, j'en ai mis 2 en réserve, tout simplement pour éliminer tous les dangers hein, qu'il peut y avoir avec n'importe quel type de permanent. Et c'est en fonction de X, vous voyez. Donc chaque joueur, donc là bien sûr vous êtes concerné aussi, vous perdez X points de vie, puis chaque joueur se défausse de X cartes de sa main, puis sacrifie X créatures et X terrains. Voilà. Donc effectivement vous êtes aussi impacté, mais ça peut vous aider à vous débarrasser comment dire, de certains sorts, de certaines créatures bien gênantes. Hein. Voilà. Une bonne carte, mais il ne faut pas en abuser, hein, parce que sinon ça se retourne contre vous. Donc voilà pour ce deck dépouilleur. Écoutez, j'étais très content de vous présenter ce premier construit. D'autres suivront, et puis il y aura aussi des parties de test hein, pour vous montrer comment ça sort de ces construits. Mais avant, il faut que je vous présente d'autres construits hein, pour que vous puissiez juger un petit peu des échanges et des duels qui vont suivre. J'étais vraiment très content hein, de vous présenter ce premier construit. Donc n'oubliez pas que vous pouvez lâchez des commentaires dans la section du dessous, merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour une nouvelle Magic Rubrique. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.